Les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière vidéo sur la saison Fortnite. Donc, de la saison du chapitre 4, saison 1. Petite vidéo de. Normalement, alors je tourne pas à la suite de Yolong du jeu que j'ai fait hier. Mais normalement, vous avez une vidéo qui est sortie. Ce soir, parce qu'elle sort à 18h, mes vidéos sortiront maintenant à 18h, pour beaucoup sortiront comme ça. Et on continuera sur Yolong. Alors j'ai continué moi de mon côté un peu, mais je vous garde une petite surprise sur ce jeu. Et on reviendra sur des anciens jeux. Alors, on ira sur Cyberpunk, moi qui l'ai sur Xbox. Je voudrais parler un peu de Cyberpunk, tout ça. De mon point de vue, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui font encore des TikTok et que voilà. Et je voudrais parler aussi d'autres jeux qu'on fera peut-être, hein, parce que voilà, ça, il y a certains jeux qui me plaisent et que je voudrais revenir dessus. Donc voilà. Donc je vais vous mettre la piste de Fortnite. Alors, piste 1, Fortnite. Alors, donc, comme vous le voyez, la prochaine mise à jour, donc, elle est le 10 mars, le vendredi 10. Dans 3 jours. Dans 2 jours, pardon. Dans 2 jours, vu qu'on est le 8. Quand je tourne cette vidéo, on est le 8. Alors, moi, ce qui me semble un peu bizarre, c'est qu'il reste 3 jours pour la saison. Et sauf que moi, j'ai des quêtes qui sont encore pour 5 ou 4 jours, je sais plus. Donc ça m'étonne, c'est bizarre en fait. Soit ils vont couper les quêtes, ou soit c'est bizarre en fait. C'est très bizarre. Donc voilà. Donc je suis niveau 220. J'ai bien avancé, j'ai fini mes quêtes avec mon skin. J'ai fini aussi les quêtes à adoubé, qui étaient simples, les dernières quêtes. J'ai fait aussi les quêtes parce que tout compte fait, je voulais pas les faire et je les ai fait quand même parce que tout compte fait, il y avait certaines quêtes qui étaient plutôt sympas et c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs que je voulais récupérer, donc je les ai fait. J'ai fait aussi les cruides, donc le boxeur. Donc il y avait juste une peinture, donc je l'ai fait. Et c'est cette quête là qui me reste dans 4 jours. Donc c'est bizarre parce qu'encore les quêtes secrets, bon ben je comprends bien que voilà. Mais le reste c'est bizarre. Ah, je suis allé jusqu'à... Ok, d'accord. Donc voilà, donc on va éviter les quêtes, quoi que ce soit, parce qu'il faut que je fasse 23 quêtes pour finir, 24 quêtes pour finir les machins, mais c'est pas mon but. Donc on va essayer de jouer normalement, et j'espère que vous vous abonnerez et que vous partagerez un maximum, que vous laisserez des petits commentaires, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de quêtes ou quoi que ce soit, j'ai remarqué que ça vous avait aidé, hein, qu'il y avait 150 personnes qui avaient quand même regardé la vidéo précédente pour savoir où trouver les zones à code. Alors je sais, j'avais dit qu'il y avait aussi Internet, qu'il y avait TikTok, qui s'était mis tout ça. Mais c'est vrai que vous avez quand même regardé et que vous n'avez pas mis de commentaires. Donc je voudrais bien que vous mettiez des commentaires. Je voudrais savoir si ça vous aide en fait pour ceux qui regardent. En me disant, voilà, au moins ça a servi, même si vous vous abonnez pas. Voilà, vous me dites, voilà, ça m'a aidé, et voilà, basta. Donc, voilà, donc, je lance une game. Donc voilà, dernière saison. Pas mal de choses ont changé apparemment pour la map. Apparemment, on va revenir un peu à l'époque chinoise. C'est bizarre parce que... Il y a pas mal de choses, donc c'est vrai qu'on a eu le dragon de commando là qu'on voit sur l'image, donc sur l'image de la saison prochaine, hein, on voit il y a pas mal de chaque jour ça change, donc hier c'était une ville, là c'est le dragon du commando, donc c'est vrai que c'est sympa quoi, c'est sympa d'avoir un truc comme ça, donc
Voilà. Et dites-moi en commentaire si pour ceux qui regardent, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison et ce que vous pensez de Fortnite maintenant, parce que c'est vrai que bah quand on voit qu'à l'époque on pouvait pas nager, il y avait certaines choses que voilà, alors c'est vrai que bah, maintenant on avait des pendant un moment on a eu des pouvoirs, pendant un moment il y avait des trucs, pendant un moment et voilà, et c'est vrai que les skins ont changé, les trucs il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées et c'est vrai que maintenant quand on regarde c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui fait plaisir. Voilà. Alors bon, je parle pas des builders comme on voit là-bas. Mais c'est vrai que bon, on a eu quand même pas mal de collabs, tout ça, et c'est toujours le quoi, hein. Ils mettent toujours, je sais pas, on dirait qu'ils tournent en rond un peu Epic Games au niveau Fortnite pour les saisons. On voit souvent les DC Comics qui reviennent. Et c'est pas des Marvel, c'est dommage. Les Marvel, je suis con. C'est des Marvel qui reviennent et pas des DC Comics. On voit pas de Batman, on voit pas de Green Arrow. On n'a pas eu de saison sur ça et c'est vrai que c'est un peu dommage. Pas mon point de vue, hein. Mais c'est vrai que une petite saison avec des super-héros, c'est vrai qu'on a eu Marvel avec Iron Man, tout ça. Mais c'est vrai que on n'a jamais eu d'autres super-héros à part Superman pendant un moment où c'était la saison des aliens, mais on n'a pas eu plus que ça. C'est dommage parce que alors peut-être que peut-être qu'ils n'ont pas les autorisations des collabs, mais j'ai envie de dire remettre des skins à 2200 V-Bucks en fin de saison, hein, surtout que c'est en fin de saison hein, pour se dire voilà, ça on peut faire, ça on peut faire. Non, désolé. Suicidaire, hein, comme dirait l'autre. Thank you.
c'est les machins qui font des bruits. Putain. Qui sont en hauteur. Vous tirez en même temps que vous tirez ou quoi, les gars? Ah mais je vois les points, mais ils sont à... J'espère qu'il n'y en avait pas un dans ce bunker là. Oh, alors viens. Ça construit pas comme ça. Alors je dis ça, mais à tous les coups c'est des joueurs. Mais bon, quand on voit la solution, comment ils ont utilisé sa technique, une construction et puis machin. Surtout qu'il avait plus beaucoup de vie. Thank you.
ma gueule ça. Il est avec un bot. Tomber contre un bot. Tomber contre un joueur qui utilise des bots, c'est vraiment dégueulasse. La plupart du temps, c'est les bots qui font les kills, c'est ça le problème. Parce que vu que les bots ont pas mal de vie, ouais, je m'en suis douté quand j'ai vu le point rouge. Ouais, quand même. Quoi, 7-8 kills? 7-8 kills? Pas mal pour une game. Mais bon, encore qu'ils utilisent le système du machin, je veux bien, mais utiliser des bots. Moi, j'appelle ça de la triche. Ils devraient enlever ce système-là parce que clairement, c'est chiant, quoi. C'est casse-couille de se retrouver contre un joueur qui utilise ça. Je vais peut-être réussir, hein, tout compte fait. Il me reste quoi? Il me reste. Allez. C'est 11, je suis à 9, il en reste 20. Allez, peut-être 30. 30 kills à faire. Ouah, si, je peux y arriver. Mais bon, c'est pas mon but premier. Hein, alors là. Bon, ben, niveau 221. Donc, plutôt cool. Donc, on se retrouve pour la saison prochaine, hein, les gens. J'espère que cette petite vidéo. Alors, je coupe. Fortnite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, 8 kills. 8 kills au compteur. Moi, je continuerai quand même à faire 2-3 trucs pour essayer quand même de réussir à avoir certaines choses. Mais c'est vrai que au niveau de ça. Au niveau de ça, on a plus trop. Moi, j'ai plus trop l'envie de jouer à Fortnite parce que bon, bah, déjà, j'ai atteint le niveau 200 parce que bon, on gagne plus d'étoiles. Mais en plus de ça, 8 kills et top 13, ouais, c'est déjà plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc, bah, j'espère qu'on se retrouvera pour la prochaine saison, mes chers abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser plein de petits commentaires. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'était Drake Survie. Peace.